Tu es stressé. C'est bien. Qu'est-ce qui est pas qui est jamais venu? Alors si un jour on te transforme en animal en te donne le choix, quel animal tu veux être et pourquoi? Cochon. On va faire. Les souris c'est tranquille. Ça va pas aussi. Ça va pas aussi, mais c'est mignon. Aujourd'hui dans le café je te vois une tortue qui a la tête d'aigle. C'est pas mal. Une tortue en tête d'aigle. C'est un peu bizarre. Ouais, un peu. Ces deux aliments représentent deux personnalités, deux caractères qui peuvent s'affronter. Ouais. Il parle de toi, c'est tout partout avec une carapace très tenace, très fidèle à ses engagements. Simplement à ses engagements, parce qu'on l'oblige à faire ce qu'il n'a pas envie de faire et rentrer. Ça ne va pas se faire. On peut taper dessus, tourner, retourner, rien. Ah, a envie de faire quelque chose, personne. Allez, oui, d'accord, ça ne marche pas, de problème. Mais continue à faire ce qu'il n'a pas envie. Elle est très impatiente de nature, elle a appris d'être patiente, de faire passer ses choses. Elle a une carapace, qui sont une autoprotection, parce que chaque fois qu'il y a un problème, prend le problème, le temps nécessaire, l'énergie nécessaire, ils sont en train de faire. Le problème, quand elle est fatiguée, c'est que la carapace devient son inconvénient. Elle rentre dedans, il ne peut pas régler le premier problème, deuxième année, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Quelquefois, on te voit retraire un problème, surtout avec une dizaine. Quand tu n'es pas bien, quand on parle de ta carapace, tu es obligé de prendre plus de temps. Tu peux compter beaucoup sur cet animal. S'il accepte à faire quelque chose, oui, s'il accepte. Pour te faire accepter, c'est une autre histoire. Tu as toujours des prétextes justifiés, justifiables. Sur un ou l'autre, tu auras toujours des raisonnements valables. C'est parce que tu dois être terre à terre, réaliste, rude, rigide, embêtant. Tu mets un peu de rêve. Par contre, il y a une autre partie de toi qui est l'aide, lui, il a envie de rêver. Aventurer, profiter, bénéficier, vivre, c'est magnifique. Problème, c'est qu'il se sent toujours comme quelqu'un qui a des boulets, des attachements, des blocages. Même quand il va chercher ses forces, il va en faire un jour, il se parler, se faire, il a une bonne vision des choses, mais ça peut toujours avoir dans les détails. Ton problème, tes problèmes, ce sont les détails. Si tu vas en régler, décide à régler, règle les tailles avec l'air, il sera tout à fait. Sauf qu'il y a un animal magnifique parce qu'il arrive toujours à sa destination. Elle dit aussi très longtemps, il y a une vieille, vieille. Ah non, on ne me dit pas ça. Pas vieille. On n'a pas donné une vieille fada, mais c'est tout que toi. D'accord. C'est pas réglé encore ton histoire ancienne. Laquelle? Parce que je traîne. Tu l'aurais bien. Je sais pas de quoi tu parles. C'est évident pourtant. De quoi? Où est-ce que tu habites? Ah ouais, c'est ça l'histoire ancienne de où est-ce que j'habite? Ancienne, ancienne. C'est quand même, c'est deux ans que ça serait dedans. Et tu recommences. Et que je recommence, c'est quoi que je fais? Ça veut dire passer, revenir sur une base nouvelle. Sa mère qui dort la personne. Les personnes pour t'aider, tu es ton meilleur ami de toi, tu es le pire aimant de toi. C'est pour ça qu'il faut aussi prendre le temps, je te renvoie, je te dis, c'est comme ça qu'il marche. Tu connais faire ça? C'est détail. Oui, mais tu dois ramener encore un petit peu de temps, quand dans 2-3 mois tu vas ramener, après. C'est bon, ça va dépasser un peu. Oui, parce que tu as le bateau, tu as les bras, tu as le bras, tu as le lot. Regarde pas de lumière et vite dans le prix. Tu vas essayer, mets ton pouce au fond de la tasse. Merci. Il y a un arbre, ça montre que si tu as un projet, envie de faire quelque chose, tu peux planter sans te planter. C'est chouette. Alors, merci.